Alors, bienvenue à ce live en chanson. On a une catégorie spéciale ce soir, donc ce sera un live en chanson spécial Ariana Grande. Donc, ben, c'est pas moi qui ai choisi la thématique, c'est mon élève que je vais vous présenter dans quelques instants. Le temps que vous connectiez et le temps que on laisse baisser le stress un petit peu, parce que c'est toujours stressant un peu de faire des lives en chanson, même si on vous voit pas, on sait que vous êtes là, mais c'est toujours le fun d'avoir vos encouragements, justement. Que vous nous écriviez un petit hello. Comme vous voyez, ben, vous êtes présents finalement. Ça nous encourage. On a quatre belles chansons ce soir à chanter. Tout le répertoire de Ariana Grande. Et vous allez vous lire tout au courant du live. Vous allez voir la double. Donc, un petit hashtag hello dès que vous êtes là. Hashtag replay pour ceux qui écoutent en rediffusion. Et on vous passe ça dans quelques instants. En même temps, ben, on est là. À quelques instants. Je peux nous dire aussi si c'est la première fois que vous assistez à un live en chanson ou si vous êtes des personnes fidèles au rendez-vous. Les lives en chanson existent quand même depuis 3 ans, si je ne m'abuse. J'ai commencé un petit peu avant la pandémie. 2 ans ou 3 ans. D'Ariana Grande, quel est votre plus grand succès en fait? Quelle est votre chanson préférée d'Ariana Grande? Laissez-nous savoir ça dans les commentaires, ça va nous faire un grand plaisir. On va commencer dans quelques instants, mais juste avant, je vais laisser mon invité venir se placer et on va pouvoir prendre une petite gorgée d'eau aussi avant de commencer. Fait que tu peux venir t'installer devant la caméra. Alors, il s'agit de Olivier Roy, qui est mon élève en chant depuis quelques années. C'est ça que je me demandais tantôt. Tu t'en souviens-tu, tu as commencé quand? Attends, j'ai commencé. Parce que c'était pendant la pandémie, il me semble qu'on s'était même pas vu en premier. On avait fait les cours en ligne avant de te voir en vrai. Mais je crois que j'ai commencé, ça fait 2 ans, 3 ans. C'est ça. Ben, la pandémie, c'était en 2020. Puis on était en 2023. Fait que ça doit faire à peu près 3 ans. Mais ça, c'était direct dans la pandémie. Aussi, on est en petit test Internet ce soir, on a changé Internet, donc je sais pas à quel point l'image va être clean ou qu'en tout cas, ça va être super clair, fait qu'on souhaite de tout cœur que tout soit correct, mais voilà. Fait qu'on va commencer avec la première chanson qui s'intitule... One Last Time! One Last Time de Ariana Grande, évidemment. Donc, bonne écoute tout le monde, puis merci d'être là. Je t'explique que le son est bien ajusté. J'avais dit « Ah! » T'as-tu écrit ça comment? Ouais, j'ai tout noté ça tantôt. Alors c'est parti, je te laisse avancer un petit peu, puis moi je vais être derrière. Comme ça? Ouais, je peux même avancer un petit peu. Ça me sort au chapeau. I know.
Ah, j'espère que tout s'est bien passé, qu'il n'y avait pas de bug. Oui, ça a l'air good. Yes, on a quelques personnes qui sont là. Viviane, Caroline, Sylvie, qui disent... Bon, nous, on est déjà partis dans la route. Caroline qui dit bravo, Olivier, t'es pas mal là. Ouais, c'est un multi... Attends, c'est qui? Caroline. Caroline Dubois. Attends. Mais ça peut pas dire que tu les connais toutes, là. Je les connais pas toutes, moi non plus, nécessairement, les gens qui sont là. Mais ça m'a qu'il est là, en tout cas. Donc, ben, merci à tous d'être là. Puis, n'hésitez pas à le partager. Il y a quand même pas mal de personnes. Il y a 21 personnes qui nous regardent. Alors, merci d'être là. Justement, celle-là que Olivier vient de faire, ben, pour ceux qui ont acheté leur billet pour le spectacle de chant, qui est dans 2 semaines! Dans 2 semaines, ben, vous pourrez l'entendre chanter One Last Time sur scène. Fait que c'est encore plus le fun avec justement toute la scène qu'on peut prendre. Là, on est dans un petit cadre pas super gros. Voilà. Fait que finalement, t'as mis ton chapeau? Faisait trop chaud? Ouais. Ben, ouais. Un peu, ouais. OK. Fait que, on va poursuivre avec la prochaine qui s'appelle Break Free. Break Free, toujours de Ariana Grande. Fait que pour ceux qui viennent d'arriver, ben, dites-nous donc à laquelle vous préférez de Ariana Grande pendant que je fais les petits tests de son. Voilà. Attends. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, Olivier, c'est un artiste dans l'âme, je le dis tout le temps. Il y a plein de talents artistiques, la danse, le théâtre, les arts aussi. Attends, les arts aussi. Ouais. Ben, un peu. OK, celle-là, parfait. On vous passe ça. As-tu besoin de prendre une gorge d'eau? Ouais. On va se prendre une petite gorge d'eau, puis on chante ça, Break Free. C'est parti. If you want it, take it. This is the fight.
juste attendre pour pas que l'autre parte automatiquement. Tu l'arrêtes là. Hyper! T'es là, attends! Fait que voilà! Ok, Caro, c'est la maman à Juliette qu'elle dit. Attends. Alors, ben c'est ça, c'est spécial Ariana Grande. Puis, comme à chaque live où j'ai des élèves invités, ben c'est jamais moi qui choisis la thématique. C'est Olivier qui a décidé de. Je pense qu'au départ, il y avait deux chansons. Parce que je leur fais toujours choisir quatre chansons. Je pense qu'au départ, il y en avait déjà comme une douille d'Ariana Grande. J'avais fait, ben c'est trois qu'on avait fait. On avait fait ouais. Dans la scène, Buffy, on avait fait Not Till Seven, Not Till to the Crime. On les avait fait. Mais ouais, puis l'autre, c'est toi que tu m'as dit si on pouvait la faire. Ouais, la dernière, en surprise, la dernière, on va faire un petit duo. Mais c'est ça, c'est des chansons qu'on avait traînées dans son cours. Puis là, bon, on s'est dit, ben, tant qu'à faire un live en chanson, on pourrait faire un live en chanson à Ariana Grande. En plus, c'est sa chanteuse préférée. Ouais, ça tombait super bien. Fait qu'en reste deux. Fait que voilà, il y a plein de monde au rendez-vous. J'essaie de voir. On dit c'est magnifique, je vous aime. Je connais pas toutes les gens dans mon truc qui sont là. Moi, je les connais un peu. Ouais. Alors la prochaine? Non, tu le C'est plus facile à la fin. Non, tu le cry. Ouais, no tears left to cry. Je vais juste ajuster le son. Parce que celle-là est un petit peu plus forte. Puis on la changeait également de tonalité. Parce que c'est quand même aigu, mine de rien, du Ariana Grande. Heureusement que je les maîtrise bien. Ouais, tu maîtrises bien tes aigus, c'est vrai. Je vais m'assurer qu'on est correct. Parfait. C'est ça, mais ça, mais. Moi, j'ai baissé de 1. Ok, le B sur le C'est le B. Right now, warm in the state of mind. I wanna be interlocked in time. I got no tears to the pride. So I'm picking love, I'm picking love. I love and live in a picking love. I'm picking enough. Enough.
digging enough, I'm loving, I'm digging, I'm digging enough. Thinking love, thinking love, love and living to retail love. Yeah, retail love. Ouais, j'avais plus de misère à son sur l'articulation de celle-là. Je sais pas pourquoi. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que ça fait un petit bout. Hey, il y a Magali qui dit lâche pas, tu as une belle énergie. Hâte d'entendre les autres. Moi, ouais, Magali, je pensais que tu la connaissais. Attends. Émilie qui dit bravo, Olivier. Sylvie qui dit super, Olivier. Hey, il en reste déjà juste une, mine de rien. Je crois que ça passe quand même vite. Moi, je pourrais aller revoir les commentaires. Par la suite, des fois, on ne les voit pas toutes passer. Mais il y en a quelques-uns. Fait qu'il en reste une dernière qu'on va chanter en duo maintenant. C'est Rain on Me. C'est Rain on Me, ouais, de Ariana Grande et de Lady Gaga. Yes, alors je vais jouer le rôle de Lady Gaga. Et Olivier va jouer, va chanter la partie de Ariana Grande. Pas jouer, mais chanter. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait qu'Olivier qui a commencé ses cours de chant, comme on disait tantôt, je pense depuis 3 ans. Peut-être que les parents pourront confirmer, mais il me semble que c'était ça. Ouais, c'était pendant, en janvier 2020, si je ne m'abuse. Ouais. C'était au début de la pandémie, ou c'est peut-être en janvier 2021. Je ne sais plus, en tout cas. Ça fait 2-3 ans. Bref. Puis, ben, c'est ça. C'est Olivier qui est rendu à quel âge? 10 ans. 10 ans. Il disait tantôt en anglais pour lui. Ok, fait que j'ai juste le petit son, puis on vous passe ça. Puis vous nous écrirez à la fin laquelle vous avez préféré. Moi, je pense que mon préféré, c'était mes deux préférés. I need enough for a free ride. I only ask you to show me a real good time. I never ask for a rainfall. Please just show what you show me, nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. I'm gonna be glad that it is for my life. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. Entre les quatre. Fait qu'on vous répète ça, le numéro 1 c'était
One last time. One last time. Fait qu'écrivez juste le chiffre dans les commentaires. Numéro 2, c'était? Break free. Break free, ouais. Numéro 3. Not to subscribe. Et le numéro 4. Rain on me. Rain on me. Yes. Merci, Magali. Ben, je pense que ça paraît aussi quand ça fait longtemps que les élèves suivent des cours, ben, veut pas. Il y a quand même une complicité qui s'installe. Fait que quand on chante ensemble, c'est tout le temps bien le fun. Il y a Elise qui disait, wow, vous êtes bon. Caroline qui disait, wow, j'adore. Félicitations à vous deux, c'est super beau. Oui, 2020, c'est ça. Fait que janvier 2020. C'est ça. Francine qui dit, belle job, Oli. Oui, alors, c'est une super belle job. Numéro 4, numéro 2 et 4. 2 et 4, ça veut dire break free. Donc là, on a une majorité de numéro 4, qui était break, pas break free. Ouais, break free puis rain on me. Ma mère, ça va être rain on me. Ah, on va voir. Fait que votez dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Numéro 4 aussi pour Émilie. Fait que, voilà. Alors, pour ceux qui ont leur billet, bien évidemment, le spectacle de fin d'année, le chant annuel, une étoile pour vous, et le 3 juin prochain à 19h. Donc, vous aurez la chance d'entendre 40 chanteurs sur scène à tour de rôle. T'as pas entendu les premières, d'accord? Ben, tu les réécouteras. Père, il y a dit 2, après l'autre, il y a dit 4. Ouais, il y a beaucoup de 4 et de 2. Hein. C'est ça. Fait que le 3 juin, on va être en spectacle avec plusieurs élèves. Et ben, pour ceux qui seraient intéressés déjà de s'inscrire pour les cours de chant à la session d'été ou même à l'automne, je mettrai tout à l'heure le petit formulaire pour s'inscrire à la liste d'attente parce que les cours de l'été commencent à la fin juin et les cours à l'automne ben, commencent à la fin août. Fait que c'est déjà le temps de s'inscrire pour ceux qui seraient intéressés. Puis tous les cours ben, sont personnalisés là. Ah, c'est marrant, ok? Parce que c'est écrit sur la recherche. C'est ça. Fait que c'est déjà le temps de s'inscrire pour ceux qui s'intéressent. Puis, on y va vraiment selon le goût aussi des élèves. Comme là, Olivier voulait faire du Ariana Grande. Mais ben, go for it, on fait du Ariana Grande. Il y en a qui vont chanter du country. J'ai fait quelques lives country avec des élèves. Du rock. Fait qu'on s'adapte vraiment selon qu'est-ce que tu as, le goût de chanter. Puis, c'est quoi tes objectifs aussi vocaux. On prend le temps de regarder ça à ton premier cours. Puis, les cours majoritairement ont lieu une fois ou deux semaines. Sauf l'été qu'on peut en suivre à chaque semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le live si vous avez apprécié. Puis on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, à 19h même heure, pour un autre live en chanson avec une autre élève. Je serai avec, merci Francine, je serai avec Elisabeth la semaine prochaine, un live à saveur pop. Donc il n'y a pas une chanteuse en particulier, mais il y aura du pop au milieu. Donc sur ça, ben, bonne soirée à tous, et merci beaucoup, good job. Yes, alors bonne soirée tout le monde, bye bye!